Ceci est notre testament. Ceci est notre testament. Parce qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. Donc, pour vous expliquer, nous sommes sur une route. On a Pipo et Mario au volant. Alors, Pipo et Mario, c'est une blonde, un brun. Voilà. Et voilà. Après, Non, on explique les choses clairement. Non, mais soit pas méchants parce qu'ils vont se faire sur le bord de la route et on va y rester. Ils sont bien. Nous sommes dans le désert. Je suis en train de filmer. Nous sommes dans le désert, n'est-ce pas? Sur une ligne droite, toute seule. Pas de route à gauche, pas de route à droite. Nous arrivons de la gauche. Comment expliquer que vous rentrez en bas à droite? Et qu'au lieu de mettre 2 heures pour rentrer, on va en mettre 5. Parce qu'on aurait pu finir à Reynaud. On aurait pu finir, ça fait pas partie de nos vacances. Mais on aurait pu finir à Reynaud si à un moment donné, voilà. Ça n'avait pas tilté. J'ai pas eu un souci de droite ou gauche finalement. Oh non, c'était trop bon. Alors celle-là, il faut la raconter, celle-là. Voilà, donc ceci est notre testament. Parce qu'on ne sait encore même pas si on va y arriver. Ah putain, tu vas tuer là. Voilà, donc c'était pour vous dire, hein, que... On a mis le GPS. Hein. Voilà, voilà. Donc du coup, heureusement, il nous dit 2h11. Non, non, c'était le GPS marocain de Gad Elmaleh. Tu ouvres ta fenêtre et tu demandes à la dame ton chemin. Il fait là, il n'y avait que 3 ânes. Et là, il n'y avait que des ânes sur le côté. C'est pour ça qu'il n'a rien passé. Oh putain, c'est trop bon. Oh putain, ça c'était trop bon. Bah enfin bref, on n'a même pas eu de quoi se prendre un cactus. Parce qu'il n'y avait pas un cactus. Il n'y avait pas de cactus. Oh putain, mort de rire. Voilà, donc au cas où vous retrouveriez cet iPad. Je lègue mes paires de chaussures à ma fille Mélanie. Oh putain, c'était trop beau ça.